Ouais, on est chez les parents de Faustine. Maman, ils sont pas là. Pourquoi? Et du coup, tu sors pas, toi, Jules, ce soir? Tu sors pas ce soir? Non, plus de thunes, mes couilles. Genre, plus de thunes. Tu veux voir mon compte en banque, toi? Non, mais genre, c'est ça qui va t'empêcher de sortir, tu sais. Bah, si tu me rinces la gueule, moi, je suis OK. Hein. Eh bah, si c'était le seul problème, mon gars. Non, non, commence pas. OK, c'est quoi le problème, là? Ah, mais t'inquiète, t'inquiète, ton frère, il sait très bien de quoi je parle, c'est bien. Bah, non, c'est pas bien, moi, je veux savoir, c'est quoi? C'est bon, ta pote, elle ouvre sa gueule, elle est contente, super. Eh bah, assume devant ta sœur, trou du couer. Bon, y'a quoi, là, c'est quoi? Eh bah, vas-y, dis-lui! Insupportable, t'es insupportable. Mais elle veut entendre ton histoire, elle veut comprendre pourquoi tu veux pas sortir. Julien, dis-moi, c'est quoi? C'est de la merde, nul, on passe. Ah, c'est toi la grosse merde. Julien, dis-moi! J'ai voulu pécho une meuf hier soir, je me suis foiré, ok? C'était avant que tu rentres de ton date de merde, là. Et donc, ouais, le lundi soir, le mardi soir aussi. Le mardi soir aussi. Ouais, le mardi soir, je viens. Non, pardon, excuse-moi, j'ai vraiment pas envie de ça, je suis avec toutes mes potes, ah, là, on va... Ouais, c'est vrai. Non, mais on sort, on discute, là, c'est cool, tu vois. Super, t'es de ma gueule, c'est top. Excuse-moi si je t'ai fait croire quoi que ce soit, juste... Non, non, c'est pas ça, c'est juste que ça fait deux heures que tu joues avec mes couilles et là, tu assumes pas, c'est pas très grave. Mais ma pucelle, je t'entends pas là, mon cou. T'es sérieux, là, de parler comme ça? Je joue avec tes couilles? Non, mais c'est... Et tes enculés de potes qui se foutent de ma gueule, c'est génial. Wow, attends, t'es en train de parler de mes potes comme ça, mec, là? Non, mes potes comme ça. Moi, c'est pas mec, c'est Julien. Va baiser tes potes maintenant, casse-toi s'il te plaît. Bah alors, tu sais quoi, mon grand? Je vais aller les baiser, mes potes. Je vais bien les baiser, mes potes. Et toi, tu vas rester tout seul avec ta toute petite queue entre les jambes là. Ma petite queue articule déjà et ma queue, elle est très bien. Allez, casse-toi s'il te plaît, tranquille. Merci. Ouais, je me casse. Voilà, souvent quand on a raison, on se bat. Tu sais quoi, tu sais pas qui je suis, tu regretteras de pas m'avoir roulé une pelle. Chipi des boives. Petit cul. C'est toi qui parles mal à ma pote? Alors, de une, je te connais pas, et de deux, t'as très mauvaise haleine. C'était Salomé. Salomé? La goudou. Mais elle est pas goudou. Bien sûr que si, elle est goudou. Mais non, elle est pas goudou. Elle touche à tout, elle me parle toujours de mec, elle est pas que goudou. Elle est bi, ok. Non, mais le truc, Faustine, c'est que ton frère, il est mauvais. Arrêtez, petit bichon. Mais y a pas de petit bichon. Avec son téléphone, là, ses phrases toutes pétées qui sort, son regard qui pue le couer au bout du troisième verre. Indigne, indigne, un bouffon, quoi. Un vrai bouffon. Un professionnel. Un pauvre type. Une pauvre grosse merde. Non mais c'est bon, stop, on a compris. Julien, t'as dit ça? Oui, je me suis foiré. Mais putain, mais t'es naze. Ça va, je me suis excusé, va s'en mettre, je suis pas non plus le plus gros des connards. C'était maladroit, mais c'était pas méchant. C'était maladroit. Ok, lève-toi. Lève-toi, ah, ça vient. Lève-toi, je te dis, non. Lève-toi. Fais-moi confiance, vas-y. Ok, impro. Donc on imagine qu'on est en terrasse toutes les trois. Ça fait une heure que tu regardes à ça et que t'as pour projet de la choper. Tu veux vraiment jouer là maintenant, sûr? Oui, vas-y, fais-moi confiance. Attendez, genre lui va me draguer, là? MDR, Julien de Tomber à Skip. Mais oui, ça fait une heure que tu l'as remarqué, qu'elle t'a remarqué, donc tu viens vers elle et t'abordes la conversation. Ok. Salut, tu veux bien boire un verre avec moi? Salut, ouais, je veux bien boire un verre avec toi. Non, mais à ça, s'il te plaît, les filles. Non, mais Julien, c'est bien. Par contre, tu peux pas lui parler comme ça, il faut que tu sois plus subtil. Plus subtil? Ouais. Et tu comprends le mot subtil, tête de 100 balles, Zoé, ou pas? Arrête. Non, mais sérieusement, c'est pas compliqué, bordel. Ça fait une heure, t'es au bar, t'es avec tes potes, et là, tu fais le mec, merde. Je fais le mec ou je... Oui, genre, vous vous regardez depuis une heure, un coup c'est toi, un coup c'est elle, et vos regards se croisent, alors tu viens vers elle. Ouais, comme hier, Julien, hein, que tu sens. Voilà, donc tu arrives vers elle, les épaules, voilà, et t'attaques. Ah non, mais par contre, faut pas lui parler comme ça, lui. Hein. Non, bah t'attaques pas, mais t'es bien, tu vois, troisième verre, t'es détendu, tu mates la fille te mate, donc quelque part, c'est acté. Tu vois ce que je veux dire? Oh, t'es avec moi? Genre, c'est bon, c'est dans la poche? Non, c'est pas bon, non. Non, c'est pas bon, ok. Ça peut le devenir, d'accord? Eh, vous vous matez depuis tout à l'heure, donc il y a une attirance physique. Maintenant, faut aller lui parler. Vas-y, Julien. Vas-y. Ok, bon, hey, Julien, les épaules droites, hop, tu te tiens droit, banks, et le sourire, c'est important, c'est le premier signe de confiance en soi. T'es beau, Julien, d'accord? C'est vrai? Non, ferme ta gueule et joue. On recommence. Ok. Alors, salut, on se regarde depuis tout à l'heure, est-ce que ça te tenterait de boire un verre avec moi? Ah ça? Non, franchement, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais je pense qu'il faut que tu regardes mes potes si on veut que ça marche. Mais c'est ça que je comprends pas. En fait, si je te veux toi, pourquoi j'irai regarder? Je m'en fous de vous, en fait. Eh ben voilà, on y vient, il comprend rien. Regarde, réfléchis. Je suis bien là, moi, avec mes copines. Ok, on se regarde. Mais tu penses que ça va être simple pour être seule avec moi? Non, faut que j'ai l'approbation de mes potes. Faut qu'on sente toutes les trois que t'es un mec bien en plus d'être beau. Mm. Donc t'as juste à les considérer un peu.
juste un regard dès qu'elle passe et à se tromper de me lâcher avec toi. Eh bah, belle leçon de liberté, madame, mais... top. Mais non, mais Assa, elle a raison. Tu viens vers nous, tu nous regardes, tu nous considères et après tu regardes Assa, tu restes focus sur Assa. Ok, j'arrive, je vous regarde, je vous considère, vous deux, en tant qu'individu féminin individuel. Je me tourne vers votre amie. Salut, je te regarde depuis tout à l'heure et j'aimerais beaucoup t'inviter à boire un verre. Est-ce que ça te tente? Ok, ok, bon. Le regard est top. Ouais, j'ai senti. C'est bien, mais par contre, la phrase d'accroche, elle est naze. Pourquoi? Parce que tu faut pas que tu... Ok, bon, Julien. En imaginant que t'es bien habillé, d'accord? Ambiance avec tes potes. Que je suis beau? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ok. En imaginant que t'es bien habillé, ambiance avec tes potes, d'accord? Que vous vous regardez depuis une heure. Donc là, tu fais le mec, t'arrives. Tu nous prends Faustine et moi en considération. Et là, il faut que tu sortes The Réplique. Ouais, mais The Réplique, je l'ai bien faite juste avant, alors qu'est-ce que... Ouais, c'était bien. Non, je sais pas, t'arrives, tu lui dis... Bah salut, on se téma depuis tout à l'heure, on prendrait pas un verre ensemble? Grave, ça okay, c'est bien, okay, tu vois. Eh bah, ben évidemment bien. Que c'est bien, okay. Le mec qui dit ça, forcément, moi je dis oui. Ah oui? Normalement. Attends. Je vous regarde. Je te regarde. Salut. On se regarde depuis tout à l'heure, faut qu'on arrête de se mentir, on se plaît. Est-ce que ça te tente de prendre un verre avec moi? Ouais, avec plaisir. Tu viens t'asseoir avec nous? Allez, tu viens souvent ici, non? Ouais, c'est un peu notre QG avec les filles. Je crois que je t'ai déjà croisé ici. Tu crois ou t'en es sûr? Je crois que je suis sûr. Ok, mais t'as l'air bien sûr de toi. Je suis jamais sûr de moi quand je parle aux jolies filles, je sais pas ce qui se passe. Attends, tu l'as répété celle-là? Ça se voit? Ouais? Bah oui. Mais franchement, j'aime bien. Non mais bien, mais c'est hyper bien Julien, franchement bravo. Ok, allez, moi j'y vais, passez une bonne soirée, cassez-vous. Bah jure, tu sors pas avec nous toi. Non, j'en ai marre à faire, cassez-vous. Bon bah on y va. Et c'est toi là, regarde ta vieille tête avec ton bandeau. Elle sort avec un bandeau la meuf. T'as vu, tu penses que tes potes, on a parlé de tes potes toi. De mes potes à moi. Mais oui Michel, la trouve tu là avec sa moustache. Écoutez les gars, faut que je vous dise un truc. Voilà, je vais prendre mes billets, je vais me casser en Australie, faut que je change de vie. Vous êtes sérieux là? Mais Zoé, ça fait 1000 ans que tu dis ça, t'as jamais pris tes billets. Moi je t'écoute plus à force, c'est bon. Ok, bon, moi je vais chercher à boire. Bah ça non plus apparemment. Mais non, mais tu penses qu'en partant, l'herbe elle va être plus verte ailleurs alors que c'est faux Zoé? Mais moi Julien, je vois le mec, t'as vu un peu le regard, l'assurance. Il a toutes ses chances, donc du coup, Assal se fait draguer direct. Lui il a toutes ses chances, c'est un vieux plouc. Bah il est surdiplômé, je crois, c'est Zoé qui m'a dit ça. D'accord, mais s'il a des diplômes, qu'est-ce qu'il branle derrière un bar en fait? Non, mais t'es juste jaloux en fait. Bah non, parce que j'en ai rien à foutre. Mais genre, non mais genre, MDR, genre. J'ai plus le mensonge. Ah, tu vas où là? Tu fais quoi? C'est juste, tu me casses les couilles à me chercher, c'est ridicule. Mais elle te cherche si tu tombes dans le panneau aussi, t'es cool. Tu vas voir qui sert à où. Ouais, après, je te cache pas que c'est cool de rencontrer des gens. Une fois, tu rencontres des gens. Excuse-moi, y'a que ces deux bières? Deux secondes, on discute là. Ouais, mais en fait, nous, on a soif. Donc, du coup, on va prendre plus de bières. Est-ce que je peux avoir du piquant dans la mienne, s'il te plaît? Ça, c'est 1 euro en plus. Ça. 1 euro? Ouais. À la bonne heure, on va faire ça. On fait ça, ok? T'es là hier, toi, non? Je suis là tout le temps, c'est mon QG ici, mec. T'es nouveau du coup? Nouveau, non, c'est mon deuxième jour. Deuxième jour? Ouais. Non. Ça se fait. Ça, est-ce qu'on peut prendre 4 shots? 4? C'est mon deuxième jour, comme je t'ai dit. Mec, on peut les prendre pour toi si tu veux les shots. On peut célébrer pour toi. Ok, vas-y, on fait ça. Allez, avec tout le temps qu'on passe ici? Ah, oui? Il a dit oui. Ok, ça fera 4 shots. 4 shots quoi? Gingembre. Gingembre, on va prendre 4 shots de gingembre. On va prendre 4 pintes. Est-ce que je peux avoir celle avec le picon, s'il te plaît? Et est-ce que tu peux prendre ces deux? Les ramener déjà là-bas? Moi, je vous rejoins, ok? Et je vais prendre le reste. Il en manque 2. Tu t'appelles comment? Romuald. Martin, c'est génial. Ok. Tu peux qu'on prenne une toute. Bah vas-y, Ah ouais, ton frère, elle a grave kiffé la petite leçon cet après-midi. Je suis hyper fière. Franchement, joli travail. Eh hey, ben dis donc, à ça mouille, ça mouille. Attention, ça goule sur le parquet, ma sœur. Vas-y, va chez Zoé, t'es pas marrante. Non mais arrête, Assa, ça se voit que tu le kiffes. Eh, hey, regarde-moi, je suis pas conne. Eh hey, par contre, là, il est vraiment en train de discuter avec la gente féminine, là. C'est magnifique. Oui, enfin, hier, il faisait pareil jusqu'au drame. Non mais hier, il s'est planté, on a tous le droit de se planter, en fait. Ouais, enfin, là, on dirait une petite sorte de bébé qui fait ses premiers pas, tu vois, ou une espèce de coquille Saint-Jacques qui sort de sa coquille, mais sans la Saint-Jacques, t'as vu? En fait, c'est le béret que j'ai vu de loin. J'ai vu le béret avant de te voir, toi. Il y a un côté un peu Bonnie and Clyde qui est très intéressant. Hey, je te jure, de loin, j'ai vu Bonnie, je me suis dit, il est où, Clyde? Il manque Clyde, il est où? Bah, c'est ça. Tu okay, as saisi ouais. Ma personne. On va finir par aller boire, c'est chaud, ou... Ouais, là, pour le coup, c'est moi qui est en train de parler. Mais oui, j'arrive. Ok. Je crois qu'elle a l'air de s'impatienter là, ta copine. De quoi? Ta copine. Non, c'est la copine de ma soeur, donc elle peut s'impatienter, y'a aucun souci. Mais toi, t'es venue seule ici? Non, je suis avec des potes dehors.
Ok, et bah je te libère, tu peux les rejoindre. T'es libre, mais par contre tout à l'heure on boit un verre ensemble, ok? Ok, ça va. Je vais les rejoindre sinon ils vont péter un câble. En fait, et juste, t'étais pas là hier déjà? Si. Je suis passé en coup de vent, très rapide. Ok? Vas-y, à toutes, Bonnie. À toutes. Je lui plais, c'est ah, sûr. Ah, il a discuté avec un petit cul 3 minutes, il est au bout de 5 minutes. Hé, hé, une de plus, tu seras en fait têche comme une mère, mon frère. On a frôlé la catastrophe. Chouchou, je suis hyper fière de toi. Franchement, je suis trop fière de toi, je te kiffe. Vas-y. Bon, allez, shooter. Allez. Bonne année. Ouais, c'est beau, c'est du lait, c'est beau ça, wesh. T'attends quoi? De quoi j'attends quoi? Tu me plais. Je t'envoie des grands feux verts depuis des jours. Encore pire cet après-midi. Et toi, bah tu fais rien. Je fais rien, mais c'est normal. Comment tu veux que je sache que je te plais? Arrête. Arrête. Ça se voit. Invite-moi dehors. Là, maintenant? Pourquoi pas? Je vais fumer une clope. Okay. Venez, on prend un snap avant. Deux secondes. Mais moi, je fais sérieux ou quoi, les gars? Mais pas du tout, je joue pas avec toi. Zoé, je t'aime bien, mais voilà. Maintenant, je déconne. On met qu'à l'épée, on met qu'à l'épée.